Je suis contente, je suis émue, je réalise pas bien. J'ai l'impression d'être retournée en Inde, là, en l'espace d'une demi-heure. C'était un moment tellement fort là-bas, tellement important, cette rencontre avec cette femme qui dégage que de la compassion, de la bienveillance, de l'émotion. On a fait le Darshan en live sur la scène avec trois caméras qui nous filmaient, mais on avait complètement oublié qu'on était filmés. Hein. Je voulais vraiment que le suspense à main soit total pour mes comédiens et qu'ils vivent vraiment en direct ce moment de cinéma. Donc, on a filmé ça vraiment avec des téléobjectifs, avec des caméras cachées. D'un seul coup, les acteurs ont fait des choses que j'aurais été incapable de leur demander. Et vous savez, il y a une part d'invisible importante chez chacun d'entre nous. Et c'est curieux de dire ça pour un cinéaste, mais j'ai eu le sentiment de filmer l'invisible. De filmer des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont inexplicables. Il paraît que vous êtes accro au Darshan. Ben vous savez, dans votre voiture, si vous ne faites pas le plein d'essence, elle n'avance pas. Là, on fait le plein d'amour. Voilà, on fait le plein d'amour et après, avec ça, on peut rouler partout, quoi. Voilà. Comme dans les histoires d'amour, je suis tombé amoureux de vous.